بسم الله الرحمن الرحيم لسيرمون دو فوندردي انتيتولي لا سيتياسيون دو بروفيت سليم ديكسون سور لوي افيك سي كومبانيون. لونج الله سينيور دو لينيفير كي دي دان سون نوبل ليفر سي بار كيلك ميزيريكورد دو لا بار دالله كي تو ستادير محمد ا ايتي سي دو انفير او مي سي تي تي رود او كور دور il se serait enfoui de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Puis, une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître, le prophète Mohammed, et son serviteur et messager, oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Allah, gloire à lui, choisit pour son prophète élu, sa bénédiction sur lui, des hommes et compagnons purs, gradués et élevés par lui et dans son école. Ils puisèrent de sa source limpide qui abonde de la foi, des moralités et de valeurs. Là, ils remportèrent l'agrément d'Allah, gloire à lui, qui les loua dans son noble livre en disant « Les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit, la meilleure génération est la mienne, puis la génération suivante, puis celle d'après. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, dit, regardant le cœur du serviteur, Allah connaît que celui de Muhammad, on est le meilleur, on est le meilleur. Et les lit donc pour... Il l'eut donc pour lui-même et l'envoya avec son message. Ensuite, il regarda le cœur des serviteurs pour réaliser que le cœur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sont les meilleurs. Ils ont fait donc les associants de son prophète, salut bénédiction sur lui, qu'Allah les agrée tous. Le prophète salut bénédiction sur lui était le meilleur ami pour ses compagnons, qu'Allah les agrée. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, rapporte que lorsqu'un compagnon croisait le prophète, salut bénédiction sur lui, le prophète se tenait debout avec lui et ne le quittait pas lorsque le compagnon parte. Si un compagnon lui serrait la main au prophète, salut bénédiction sur lui, le prophète ne se tirait pas la main tant que le compagnon ne tirait pas la mienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui rendit hommage à ses compagnons en disant « Le plus affectueux pour ma communauté à Abu Bakr, le plus engagé à Omar, le plus timide à Osman, le juge le plus intégré à Ali, le plus sciant de science ou bien de sentence de succession est Zayd ibn Thabit, le plus connaisseur de licite et illicite est Muaz ibn Jabal. À chaque communauté, il y a un confident, le confident de ma communauté est Abu Abayda ibn al-Jarrah. » Énumérant les vertus de ses compagnons de migration, Abu Bakr Siddiq, Allah l'agrée, en public, le prophète, salut bénédiction sur lui, dit, nous avons récompensé tout ce qui ont fait des faveurs, sauf Abu Bakr, dans la rétribution, lui sera réservé par Allah le dernier jour. Je ne me servis des biens des personnes autant que j'ai tirer profit du bien d'Abu Bakr. Si je prenais un ami favori, j'aurais pris Abu Bakr. Je vous assure que votre compagnon Abu Bakr est le rapproché d'Allah. Et dit également, j'ai dit, ô les hommes, j'y suis l'envoyé d'Allah à vous tous. Ils dirent, tu mens, alors qu'Abu Bakr dit, tu dis vérité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur initiateur pour ses compagnons, qu'Allah les agrée tous.
Il les orientait par la fiction et non pas par la force. Il dit à Moaz, qu'Allah l'agrée, ô Moaz, par Allah je t'aime. Ne cesse donc de lui dire au terme de chaque salat, ô Allah, aide-moi de t'évoquer, te remercier et te vouer convenablement culte. D'après Mouawiya ibn Khalid al-Salami, qu'Allah l'agrée, lorsque je faisais la salat derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un homme éternua. Je lui dis qu'Allah t'agrée dans sa miséricorde. Les hommes me dévorèrent de regards. Je dis, malheur à moi, de quoi s'agit-il? Ils se livrèrent à se taper l'ange. Je garde donc le silence. Le prophète termina la salate. Je lui sacrifie mes pères et mères. Je ne trouvais aucun instituteur pareil, ni avant lui, ni après lui. Par Allah, il ne me frappa pas, ni ne me gronda, ni m'insulta. Il me dit tout simplement, il n'est pas valide que de telles choses se passent dans la salate. C'est juste de dire, gloire à Allah, louange à Allah, et de réciter le Coran. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordés au prophète honnête, sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Le prophète, salut bénédiction sur lui, rendait visite à ses compagnons, qu'Allah agrée tous, avait de leurs nouvelles, les partageait la joie et le moment de malheur. Buraïda ibn al-Khasib, qu'Allah l'agrée, dit, le prophète, salut bénédiction sur lui, visitait les secoureurs, surtout en maladie, et prenait de leurs nouvelles. Informé de l'alliance de son compagnon Abdurrahman ibn Aouf, qu'Allah l'agrée, le prophète, salut bénédiction sur lui, l'interrogea. C'est quoi le douer que tu lui as offert? Le poids d'un noyau d'or, répondit Ibn Aouf. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de reprendre, fais un festin, même avec une petite bribie. Abdullah ibn Ja'far, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit, lorsque parvint la nouvelle du décès de Ja'far, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, prépare de la nourriture à la famille de Ja'far, ils sont étourdis par leur malheur. Oh Allah, accorde ton salut et bénédiction à notre maître Mohammed, à sa famille, ses compagnons, et préserve l'Égypte et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.